qui m'a déjà vu en spectacle solo, les amis, s'il vous plaît. C'est une petite dizaine. Rappelez-moi juste à peu près la date et la salle. Ici même. Il y a combien de temps? Une semaine. T'es rendu direct. C'est bien ou pas? Parce que c'est, soit c'est vraiment bien, je voulais vraiment revoir, soit c'était vraiment de la merde, je veux être sûr que c'était vraiment de la merde. C'est plus la première. T'es revenu avec qui? Avec les mêmes personnes? Ah, t'as plein de groupes d'amis, toi. T'as plusieurs groupes WhatsApp. Là, t'es avec qui? Ton fils et son copain? Mais toi, tu sais qu'ils sont ensemble. Si toi aussi, tu penses qu'ils sont ensemble, quand tu les vois, tape dans tes mains. Ce qui est génial, c'est qu'il y a même des gens au fond qui les voient pas, donc là, tu te dis, ouais, on veut foutre la merde! Et les alcooliques finis? Très bien. C'est très gentil. T'avais la main de ton père, c'est ça? C'est très gentil. Tiens, papa, mais si, quand tu bats maman, mais tu t'en rends pas compte. Si cette blague vous a mis mal à l'aise, vous allez passer la pire soirée de toute votre vie. Les amis, là, je me chauffe. Qui veut voir un truc particulier? De quoi on parle? Décidez, c'est maintenant. Sinon, j'enchaîne, je continue sur ma route. De pêche. De pêche. T'aimes bien la pêche? T'es célibataire? Ouais. Si toi aussi tu penses qu'il y a un lien entre être célibataire et aimer la pêche en première passion, tape dans tes mains. Tu sens l'unanimité qu'il y a dans cette salle. T'es célibataire, c'est vrai? Oui. C'est surréaliste, c'est-à-dire qu'on va même pas parler de ce qu'il voulait. C'est un tocard de l'amour et d'entre elles. Parlons business, c'est le nouveau continent. C'est parce que ta femme, tu penses pas que j'allais te répondre? Mais je fais quoi depuis tout à l'heure? Il y a des gens qui lèvent la main et je les calcule pas? Et ta femme est chinoise, c'est ça? Et... je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'on veut, le fait que tu sois pas mariée? C'est un petit accent, ça. Ça, c'est l'Algérie, ça. On est d'accord? Vous savez. T'es arrivé à combien de temps? Très longtemps. On est sur des heures, je pense. Allez, j'irai 10h, 12h. C'est quoi ton prénom? Mohamed. C'est pas encore que c'est source de perte de travail en France. Tous les H, les har, il faut les garder, il faut pas les dire. Moi, je trouve ça beau, mais ça fait peur aux gens. Je vous ai vu, les gars. Je vois tout. Détendez-vous, les amis. C'est pas parce que j'en parle pas tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? Ah, un retard de 4 personnes? Non. J'arrive de Bordeaux, désolé. Là, maintenant, de Bordeaux, là. Ouais. Tu vois, lui, il assume. Il dit pas, ça fait 4 ans, je suis là. Direct, voilà, je viens d'arriver. T'es arrivé par Bordeaux? Ouais. Et toi, à côté? Moi, je suis à côté, mais j'attends. Sur... genre dehors, dans les heures comme ça. J'espère qu'il va arriver de Bordeaux, hein. Vous êtes frères tous les deux? Non. Donc il n'y a même pas d'explication héréditaire, je veux dire, par rapport à ce... Vous êtes quoi l'un pour l'autre? Juste un ami? Si toi aussi tu penses comme moi, tape dans tes mains. Est-ce qu'on est sur une amitié poussée? Et alors attends, tiens, ami bordelais, est-ce que c'est la première fois que tu viens à Paris? Non. T'es déjà venu? Beaucoup de fois? Je suis venu ici, après je suis descendu dans le sud. Oui, c'est le principe d'aller et de revenir chez toi. T'as vu, c'est déjà éloigné de toi, ton pote. Il a mis une distance déjà entre eux. Ah merde, il est pas si intelligent que je pense. Là, c'était un peu mou au niveau des applauds. Madame en rose, t'as pas voulu applaudir. C'est pas du rose, c'est du fuchsia, t'as dit ça vraiment? C'est ça qui t'a marqué dans ma phrase. La grosse pute là-bas en bleu, non, c'est cyan.